Informer le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, il a instruit le Premier ministre là où il se joue au niveau des États d'Amérique pour que Massa Lamissala a le vous allez comprendre que nous sommes ici sur le terrain, donc tout ce que vous allez vivre, vous allez réalité, les camarades, vous allez informer le lobby. Le lobby Sala et Zoro Salam a déjà initié à instruction, il y a le président de la République, il a instruit le Premier ministre et en même temps le gouverneur de la ville, et Zali catastrophe naturelle, c'est avec Kabila Kinzela, la route nationale numéro 1, il y a la République démocratique du Congo, nous sommes ici sur le terrain, nous avons assisté à la présence, il y a un ministre, Itéper lui-même, il était ici sur présent, pour une première de sentir volonté, il y a Missala, il y a gouverneur, il y a ville de la ville province de Kinshasa, et Jean-Sinou Gobinambaka, vous allez sentir qu'il y a la population qui est en train de suivre à la loupe ces travaux, au Salama Awa sur place, donc les alliés catastrophes naturelles comme la Kimboka, c'était quelque chose d'inattendu, mais nous avons senti cette volonté, le chef de l'État congolais, Yako Salam Sala, le plus vite possible. Tout ça, la population, vous allez comprendre tout ce qui se passe ici, ça se passe en direct, mais aussi tout à l'année sur Salama Awa sur place, voilà l'intégralité de sur Congo Live Télévision, donc depuis le route nationale numéro 1. Suivez. Des remblais qui sont en train d'être faits par arrochement. Vous pouvez constater qu'effectivement, il y a déjà pratiquement un passage pour la population. Elle passe déjà et nous pensons que d'ici la fin de la journée, on pourra déjà faire passer des petits véhicules qui vont pouvoir passer d'un côté à l'autre. Donc nous suivions de très près l'état d'avancement des travaux ici. Et vous avez à côté de moi le directeur général de l'agence congolaise des grands travaux qui est sur terrain en permanence. Et nous sommes effectivement en contact avec Sopeco qui a la charge de gérer cette route qui est une route concédée. Alors vous avez ce même message pour la population, pour l'accompagnement de ces travaux? Non, nous voulons rassurer la population. Rassurer la population que le gouvernement, comme je l'ai dit, a pris à bras le corps la situation et que des réponses idoines sont en train d'être trouvées. C'est pourquoi je vous donnais un peu ces délais pour savoir que déjà à partir d'aujourd'hui, vous pouvez le voir de vous-même, la population, les piétons peuvent déjà traverser. Et dès la journée d'aujourd'hui, en fin de journée ou demain matin, les véhicules, les petits véhicules pourront déjà passer ici. Et nous pensons, avec bien sûr l'encadrement de la CGT, que dans les 3-4 jours maximum, nous aurons la route qui sera totalement rétablie. Une dernière question française, le chef de l'État a écourté son séjour pour retourner sur ce drame qui touche le pays. Comment vous vous sentez à la place du chef? Bon, le chef de l'État, c'est notre papa, c'est le père de la nation. Et donc, il ne pouvait que se sentir solidaire avec le drame dont la population a été victime. Et il était normal qu'il prenne cette décision-là. C'est notre première autorité. Il est venu compatir avec sa population, mais aussi s'assurer que le gouvernement est en train de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour qu'on puisse soulager cette population par rapport au drame qu'on a connu. C'est ainsi que vous avez appris depuis hier qu'on a décrété un deuil national de 3 jours, mais ensuite que tous les frais liés à tout ce drame, les obsèques, c'est le gouvernement qui le prend en charge. Et nous prenons en tout cas toutes les mesures qu'il faut pour soulager la peine de notre population. En deux mots, en Lingala, tout ce que vous avez dit, c'est possible. Bon, Togolo Baboye, Togolo Zalia, pour rassurer la population d'Abisso.
gouvernement tozwa ki mitundo uti et pas tata mokonzi mboka ataza libanda ya mboka na minute tozwa koloba mais premier ministre benaye basololaki apesa ki mitundo côté gouvernement ezwa en charge misala oyo et que problème oyo to to vivre awa na la route nationale numéro 1 que ma solution est monana très rapidement. Il y a wana to senga ki na agence congolaise à grands travaux. O eza pour travailler na Sopeco pour ba mutu baza na responsabilité à nzela oyo bazu na biso ba solution na lombango. Ba pesi biso planning na bango ba la biso ke nzela oyo na mikolomisa tuto mine o eza kolanda toko za la nzela nyose kozonga ndenge za kiliboso ba mituka minene ba grand car et ba nakoleka awa pote eza voie na biso la seule voie o ezali pour na ko approvisionner ville à Kinshasa. Donc à part cela gouvernement na cadre ya solidarité tata mokonzi asengaki que to décréter deuil national pendant 3 jours ba drapeau na biso kozala Berne pour bona ba émission à télévision ba émission moko eza ko lakisa compassion ya mboka mobimba pona drame oyo partie bah, ya porter population na biso et vivre et qu'ensuite ma obsèque nyonso tous a besoin en charge donc vraiment tozo ka bata ba mesure nyonso et ko permettre ko soulager un temps soit peu population na biso o ezala ki vraiment meurtri affecté na makambo nyonso je vois kati mission en États-Unis à Zongi ndengo lobi tata mokonzi ko mata ki mokano ya kozonga na mboka po alingi ko compatir na population na ye à lobi ki non mais ça là c'est vrai ça qui connaît la Libanda et tinda kaka ne Libanda mboka mais à écouter ces jours na Libanda mboka pour na kuzonga je pense que dans pour les akoya peut-être dans les 2-3 jours beaucoup bon na tamba konza zonga na Kinshasa pour na compatir pour na kozala pe menya population na ye au vivre ba drame au nyoso yo tout ça pour mon alelo mutu moka kana ki angote mutu moka ye ba kite gokoma au te faut que population ye ba ke sika oyo eza sika te que problème ezalaki ezali kambo oyo to wiko vivre mbula moko en tout cas eza ba mbula oyo eza ba benga mbula moko exceptionnel quantité a mayo et nokaki jour wana eza pratiquement le double ya oyo et nokaka habituellement ya wana bo monaki ke ba banini ba ba mur sous ces bukanaki et tindi ke mayo belé et le cas ti au créer érosion oyo mais biso to zali l'état to continuer ko lelate il faut que la solution pour na situation oyo ya on tout ça ko sala vous a comment tout ça ko longwa bureau na biso tout ça ko kita na terrain pour na ko s'assurer que misale za ko salama misale za ko avancer na ndenge longwa bani et dele to pesi to lingi que to tenir en haut pour to ebi importance ya nzela oyo pour na population na biso merci excellence et bon c'est grâce à vous oyo va aller toucher na drame naturel oyo à le bi que réaction na bonza positif bango pa population na rapidité et vivabilité au gouvernement congolais et se réagir concernant drame oyo ça mina concernant ce que makam oyo comme on a ndenge ndele ko sama bo okolo ba nini pona ba yo ba la pas ba 1300 ndela oyo ndenge ndele zo ko salema ndenge ndele zo salema boye eza eloko moko malam to sepeli ndenge to kozonga na circulation po ba ko kene misale ko makipasi et donc ndenge nzele zongi to sepeli donc to zane sengo makasa en tout cas mokonzi au mela lokwa za beto yo réaction en tant que population au Kolobani mais ya mbona koma na réaction nanga regret zali po komina no sikanga Comme le Sika, on a été regret et ma casse. La population a été télémée pour la ponne à ma cambote. Tout le monde a été en vrac. Et le coup, on a le baba conti, en tout cas, il a été en train de se faire. Le regret est l'intervention de la gare à la profiter. Intervention fait à la naba oyo pe bazo pe ma bazana na bomo awe zo sale meza malam me liboso kuna na mvra ke za na erosion munene ezo bima deja donc ba famille za ona donc comme deja pembe donc batu bazo lela to kanisa ki lokola ba konji bazo koma ba ko koma pe kuna ba kende ko tala po mabote bele pe kuna ba kufi OK me ba konji ba comité et batu na befo na bango batongi bandaku na bango
Donc, bah, tu vas zoler la population est zolée là. Très bien. Nous va continuer à comment. Par rapport, il y a misala ndenge ko sala ma en réaction à une population est allée ndenge ni. Misala auto comment la ndenge ndele ka bona ka ndé, va continuer à réagir le plus vite possible. La réaction na ezani. Kasi, ndenge misala zo sala ma wa réaction na biso za to za ne sengo to sepeli. OK. To sepeli donc to moni pena assistance que to za na bakonzi. OK. Pozala ba na bamboka misu makambe ko sala ma bogo. Bozeli pe logo te. Mendenge to moni makamu na ndenge katana ki na ndenge misale bandi en tout cas pesi biso esengo donc vous permet ya ville je suis ngobila mbaka musale ko sala mandenge sengebele musale zo sala mandenge sengeli na lobaki deja po na mokonzi ya ville Longonia po makambo yo sala mia en tout cas Longonia za na ngambu na ye po musale zo sala très bien merci ndeko merci mwana mboka dans le cadre il y a actualité comme vous informez en temps réel sur notre devoir tout ça à Nabaï population au Bangala qui victime il y a séparation de la route nationale numéro 1 mais le lobamoni il s'allait comme ça là en temps réel le plus vite possible moi n'amboka comment on a mis ça là intelligent article seulement qui nous pouvait à lundi n'a pas tout comme journée à mardi le lobamoni va continuer à répondre positivement et surtout commençant par le gouverneur le président de la république le premier ministre Jean-Michel Chamalopon et puis le premier citoyen de la ville de Kinshasa, Jean-Simon de Boulambaka, tout le monde va venir pour Nzela, pour Kenzela et Fouman. Réaction en tant que population au Colombani. Réaction en là, c'est Pélina ou Moukas. C'est Pélina ou c'est parce que Nzela Oyo, ton dimanche qui est non, et qu'on s'en a deux jours. Ok. Tout c'est Pélina ou merci non, la présidente de la République. Malaza, Nassi, ma place, Ndako, et Moukal, maman, Oyo, à Tegela, Nga Kwanga. Qui est vraiment qui est visa chef de l'État, gouverneur de la ville, tous ces pays makasi. Pas langa pena na ces pays makasi. Pas na yo ces pays makasi. Ko bato ba ko critiquer misala mon gouverneur vie à Kinshasa, na ville province de Kinshasa. Yo étant que moko ya bayi population surtout au vivre en gros en temps réel. Yo ko bani concernant ba bayi. Nzela ndenge za ki lobby verba 9h. Ndenge lelo na yo kutango verba 15h et pardon ba 13h. C'est que nous salissa. Oyo kondima te geno misala e isala manandenga mabe misala isala mpena nga mo na non fier non parce que nga na la voisin place le boulot ça c'est pas le makasi
Donc là, vous comprenez que nous sommes ici sur le terrain, donc on continue toujours que la réaction de la population. Il y a pas mal de gens qui disent que leur réaction est positive par rapport à à peine catastrophe et salama qui à peine Konzemboka va réagir positif pour nous solution à Nzela Oyo et Mimarabi sur le Congo central à Kinshasa, même Nzela Oyo et Mimarabi, la première nécessité, et au Congo central et au Angola, mais aussi différents pays pour que tu aies la ville pour passer à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Konzemboka va l'alléguité, va prendre un bon côté sur place. Un petit peu différent, le directeur général, il y a l'agence congolaise des grands travaux à Aza sur le terrain pour superviser, mais ça l'a mais je suis au sous ministre et il y a ITPR ou Azali sur le terrain pour visiter, pour palper du doigt la situation de l'Union. Et la population dit que leur réaction c'est positif par rapport à Misala, Kosala. De plus, les États-Unis d'Amérique, on a Azali, à Seng, à décréter 3 jours de deuil national, mais aussi à Seng, à instruire le Premier ministre, mais aussi le gouverneur, il y a vu la province à Kinshasa, pour qu'il passe à la Misala le plus vite possible. Alors, de sentir Misala et Kosala, mais aussi pour vivre TV Zali Radio-T, Congolais et Télévision, c'est notre devoir de vous informer en temps réel. On sent quelques difficultés par rapport à nos commerçants. On a commencé à entendre mes bazar pour se débrouiller pour qu'il va atteindre ville pour faire Kinshasa. Ici, le directeur général de l'agence congolaise à grands travaux nous a confirmé que la route sera encore ouverte à un niveau à 21h jusqu'à 3h du matin pour nous permettre la mutu canyon c'est mon éco dans la ville pour faire Kinshasa à partir de 3h du matin pour nous accélérer Misala pour nous vendredi déjà au grand max pour nous un livre libre à l'échec dire. Pour nous, nous avons les garanties normales dans la route normale. Depuis la route nationale numéro 1 pour le compte de Congo Live Télévision, Jonathan Safou, l'homme de la République. Voilà, vraiment, yo, aux alimoko ya bato basale la randzela au mini. Comment randzela katani, ba konjambo ka ba réagir le plus vite possible. Yo sentiment no ezalini. Basala ngo vite fait niko. Ko yo moko moni ndenge vraiment, likambo ngo ndenge ezali passe. Baninga bakufi, nzela ezate. Tala souffrance ndenge to. Ngane na za na ko kutu ko leka kutu te moyen ko leka kutu ezate. Comment on a réagir le plus vite possible à Obama Boule et Salami. Alors, il y a des gens qui ont le niveau à 21h, ils font l'intérêt à 3h du matin. Mais tout ce que je veux dire, c'est que je suis souffrance. Je suis souffrance.
Donc maman se peli ndenga ko njamboka. Ba sale vite fou. Alors elle ko ngana bakisa. Hein noko. Pona banzela, faut ko fongola banzela. Parce que nzela zela ki ata mi balé route ya oya ko bimati mbudi kuna. Tam sou mi tuka msusu ndezo le ka kuna na mbudi. Msusu banana oyo mboko nini oyo. Kasangulu. Ti nzela oyo kuna. Très bien, maman petit professionnel. On a fait la banzela wana. Na minute. Ce que zela kinyo so kate kwenye so zela ya ti ruti. Sentir volontaire gouverneur ya ville ya Kinshasa sentir. Na sentir ango, da sentir ango noko. Mais ba fongo la banzela parce que nzela moko ka oyo et sa souffrance. Merci maman. Merci papa. Merci na ba konja mboka. Tala lokola oyo ayeko telemisa musala wa ale. Lesani. Ezokota. Bayoka. Bayoka nenge bango bazako telemisa na mabanja wa baba ndoko na mashimba. Aso na shino na mnogoni. Shira ebi France. Ama parisi atia mafu na mutu zotoya. Parisi ya wapi? Umwana chango. Yoka, bango wana, auti mwanda. Yoka basega milai. Nitonda ka basulie, ba costume. Yoka basega wana zani. Yoka basega mulai. Nitonda ka basulie, ka ba costume na kati wapi. Na ba poudre ya beauté. Ma réaction n'a pas été par rapport au monde de la salle à 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 la Et puis, bah, rassurer le long de la 21e, au fond, on a dit que les cas. Il y a en tant que population, il y a habitants et ville province à Kinshasa, au Colobani, il y a un peu de temps à Kinshasa. Il y a félicitations pour la Moussala, pour la Moussala. Beaucoup de temps à la Moussala, pour la Moussala, pour la Moussala, nous avons un peu de temps pour la Bino. Pour la gouverneur à ville gentil, nous avons un peu de temps à la Kaka, pour la Pambola, pour la Mikolo. Merci, maman. Na farine na kona osala.
Thank you.
Kuna. Bon, la première idée qui me vient en tête, c'est d'abord présenter les condoléances à tous ces morts que Maï Bouna a eus. Hein, ce qui est vrai, c'est que avant-hier, il est tombé une grande pluie ici dans la ville de Kinshasa. Et cette pluie, c'est une pluie exceptionnelle. Parce que la quantité d'eau qui est tombée, c'est l'équivalent d'une pluie de pendant un mois. Donc vous voyez à peu près, c'est pour vous donner une idée sur ce qui s'est passé, quelle était l'intensité de la pluie. Alors, c'est pour vous dire également que tous les quartiers étaient concernés. Tout Kinshasa. Ceux qui sont dans les parties basses, il y a eu des inondations et on a déploré également des morts. Tandis que ceux qui sont dans les parties collinaires, comme ici, il y a eu des érosions et puis des dégâts, comme vous le voyez juste derrière moi. Il y a eu ici la coupure totale de la route sur à peu près 80 mètres et une profondeur aux alentours de 20 mètres sur un sillon qui va de 300 à 800 mètres. Donc les dégâts sont très très importants. Et hier, nous avons reçu la visite du Premier ministre, de tous les gouvernements ainsi que du gouverneur de la ville. Et nous nous sommes mobilisés depuis hier pour qu'on puisse travailler d'une manière très intense. Et nous avons mobilisé toutes les intelligences et toutes les énergies
pour que à la fin de la journée d'hier, on puisse avoir un passage ne serait-ce que pour les piétons. Vous savez que dans la partie ouest de la ville ici, on trouve beaucoup de cimetières et les spectacles qu'on a vus ici étaient très désolants parce qu'il fallait transporter même le corps sur la tête et ce qui était très très difficile. Donc, nous avons reçu des instructions pour que ce travail soit vite fait et le chronogramme qui était arrêté hier, c'était hier avant minuit. Nous étions obligés de donner un passage ne serait-ce que pour les piétons d'abord. Et le deuxième jour, c'est-à-dire aujourd'hui, avant minuit, nous allons pouvoir libérer progressivement une bande pour que les voitures, les véhicules légers et les piétons puissent passer. Et après-demain, nous pensons déjà que la route sera opérationnelle à une bande de manière à ce que, qu'on puisse faire passer quelques véhicules, de grands véhicules. Et la réunion que nous avons eue ce matin avec la police, donc il se pourrait qu'à partir de demain, minuit, nous allons travailler, nous allons interrompre les travaux pendant 5 heures du temps, c'est-à-dire pendant 3 heures, nous allons faire passer tous les véhicules qui sont du côté de Matadi et pas tous les véhicules, mais on va d'abord choisir les véhicules qui transportent des vivres frais. Ah, ils vont passer, après 3 heures, on va arrêter la circulation pour faire passer maintenant les véhicules qui sont à Kinshasa, qui veulent partir au Congo central. Alors, donc, toutes ces dispositions, vous voyez que ça donne beaucoup d'espoir. Ça suffit tout simplement que dans 3 ou 4 jours, la situation redeviendra à peu près normale. Évidemment, sur terrain, nous, on va continuer à travailler sur les assainissements, mais on donnera la circulation entre Kinshasa et Matadi. Et je pense que c'est ce que la population attend maintenant. La fin des travaux tout à l'heure, ça sera quand? Parce que ça semble être palliatif. Non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est une solution palliative. C'est une solution, c'est une globalité. Vous savez, ce genre de catastrophe appelle à des solutions globales. Donc vous avez des assainissements qu'il faudra faire, il faudra construire des caniveaux et également indemniser les gens qui sont à côté. Donc il y a plusieurs solutions. Mais je pense que dans l'immédiat, hein, ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de rétablir le trafic. Les travaux vont continuer, bien sûr, hein, parce que ce n'est pas en 3 jours qu'on va le faire. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que dans un court délai, le court délai dont je vais te parler ici, nous aurons déjà la circulation déjà établie entre Kinshasa et le Congo central. C'est-à-dire après-demain? Après-demain. Donc le chronogramme est bien respecté. Je pense que je peux encore me répéter. Hier minuit, c'était les piétons. Ils sont là, vous les voyez, en train de passer. Donc évidemment, si aujourd'hui, on a quelques petits problèmes parce que nous avons pris une décision qui était salvatrice en faisant passer les piétons, mais malheureusement, il a été contre-productif pour nous parce que nous ne savons plus bien travailler. Et du coup, nous étions obligés d'arrêter momentanément les flux pour demander à la population de prendre peut-être des chemins déviés. Mais franchement parlant, si nous continuons avec cette allure, vous allez voir que d'ici minuit, si vous revenez ici à minuit, vous verrez passer ici déjà des véhicules légers. Et demain, on se donne encore un rendez-vous. À minuit, vous venez, avant minuit, eh bien, il y aura quelques véhicules de remorques qui vont devoir passer. Mais je sais qu'au-delà de cela, il y aura un grand problème de sécurité, un grand problème de circulation et un grand problème de désordre. Pourquoi? Parce que tout le monde va vouloir passer au même moment. Alors qu'il y a une certaine priorité qu'il faut accorder à certains véhicules qui transportent pendant à manger. Hein, les véhicules qui transportent certains biens, je ne peux pas citer, oui, ceux-là, ils ont une certaine priorité. Mais vous verrez que nous allons remarquer un engouement. Et c'est pour cette raison que la police a été mise à notre disposition. Ils sont là, ils vont pouvoir réguler parce qu'à nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. La police prendra des mesures de sécurité de manière à ce qu'il n'y ait pas cet engouement, parce que si engouement, il y aurait également embouteillage, donc finalement, on n'a rien fait. Donc voilà ce que je peux dire à cet instant. Vous verrez s'il y a la population qui va au chemin. Bon, vous devez comprendre que c'est une réaction qui est tout à fait normale. Hein? Vous avez de la route ici que vous voyez, c'est une route qui est, la route, elle est une route concédée. Hein? C'est une entreprise chinoise qui travaille ici, c'est pour cette raison. Ne connaissant pas, n'est-ce pas, les raisons valables, les raisons profondes de ces dégâts, eh bien, ils disent que voilà, ils veulent pouvoir des Chinois. Mais je dois vous dire que maintenant, les Chinois sont là. D'ailleurs, ils veulent les sortir, ils veulent être avec nous, on les accepte. Hier, les discours étaient différents, parce qu'il y a eu des morts, c'est normal, mais pour le moment, les Chinois, ils n'ont rien à voir
cette histoire. C'est un problème tout à fait naturel. Il y a un mur de soutènement derrière moi qui a cédé à cause de la pression d'eau dont je vous ai parlé. Il a cédé et c'est ce qui a provoqué nettement cette érosion. Donc ça n'a rien à voir, il ne faut pas qu'on puisse stigmatiser les Chinois. Et il doit savoir également que les Chinois ne travaillent pas seuls, ils sont avec des Congolais. Donc c'est une entreprise chinoise. Et la mobilisation que nous avons eue aujourd'hui, franchement parlant, et il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent le faire. Parce que depuis hier, il nous faut à peu près 8000 tonnes que nous devons transporter de moellons et de sable ici, et de la terre jaune. Et en deux jours ici, en un jour, ils ont pu transférer 4000. Donc on a travaillé nuitamment. Toute la nuit, on a travaillé et il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont capables de faire une telle mobilisation. Donc de ce côté-là, je pense qu'on ne doit pas créer l'amalgame en disant que ce sont des Chinois. Ça n'a rien à voir avec les Chinois. C'est plutôt un problème qui est collectif. Hier, j'ai même dit que c'est une responsabilité collective. Parce que qu'est-ce qu'il y a là-bas déjà ? Ce sont des constructions anarchiques. Ce sont des constructions anarchiques. Cette zone ne peut pas construire normalement. Et puis, quand bien même les gens arrivent à construire dans les zones qui ne sont pas constructibles, mais au moins qu'on demande à ces gens-là de pouvoir gérer les eaux de pluie. Mais quand les eaux de pluie ne sont pas gérées, il n'y a pas de caniveau, ce n'est pas urbanisé, à ce moment-là, les dégâts ils vont venir et nous allons continuer à déplorer de tels dégâts. Malheureusement, ce qui n'est pas bien pour la population. Pour la bande de Gonabé, c'est à Kinshasa, un micro, une caméra, pour regrouper sa condoléance dans ma famille, où il y a un bateau. Parce que le bateau, il y a un bande de Gonabé, il y a un bateau, peut-être un bande de Gonabé. Donc, ma condoléance, c'est un bateau. Mais nous savons que l'objet, Mboula, il y a un bateau à Kinshasa, et un bateau à normal, il y a un bateau exceptionnel. Mboula est un lobby, et il y a une quantité de mboula qui est un peu plus grand. Mais il y a un peu plus grand. Mais l'infrastructure de Nabiso est un peu plus grand. Il y a une chasse qui est belle. Si bien que les gens sont en train de se faire, ils sont en train de se faire. 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 Mais ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Mais si vous avez des ressources, vous avez autant de tests. Au bazar, l'icolo, on a vu l'érosion. L'érosion est salamimingi. Alors, et si vous avez une route de Matadi, vous avez une route de Matadi. Vous avez une route de à peu près 7 km à partir de l'Ipen. Vous avez une route de Katanaki sur 80 mètres. Vous avez Katanaki. Si vous avez une route de Matadi, vous avez une route de la déviation. Donc, si vous avez une route de Matadi, à côté de Chassa, par-ci, par-là, ils ont aucun. Alors, lobby, Premier ministre à Zalakiawa, gouvernement à Zalakiawa, gouverneur à Yaki, ils ont été à Kipuna, à Misala, bien sûr, mais quelque part, il y a une importance à Esika Oyo. Parce que ce qui est là, et Vandi, Mikolombe, Bélé, ils ont été à Kangama. Moyen, il y a eu un apport, il y a Matadi, et il y a Awa. Kinshasa, tout le monde a un problème. Il y a un gouvernement qui a fait ça. Après ça, il y a un gouvernement qui a fait ça. Il y a un gouvernement qui a fait ça. Il y a un gouvernement qui a fait circulation et banda. Il y a en tant que technicien, qui a fait ça. Il y a un programme que lobby avant minuit, il a fallu tout un passage dans le bateau de la Makolo. Parce que comme il y a des gens qui ont été dans le Kaawa, dans Moutou, nous sommes dans Waboko, ils ont été au côté. Et effectivement, l'objet de la minuit, avant minuit, tout ça là qui connexion entre les deux rives. Donc, quand nous avons mis balé, tout ça qui connexion, tout ça qui est dans le Kaawa. Les lots, avant tout là, nous avons mis tout ça et pour l'État. Il y a mis pour Nanini, pour Awa, ils ont une stabilité ici quand on a été mis Awa. Donc, nous avons mis tout ça pour l'État, pour l'État. Mais l'objet de l'Angokuna, c'est de faire un passage dans le Mitouka Mitouka Eminene, nous sommes tous les gens qui sont là. Donc, nous avons fait une priorité. Nous avons fait la police. Nous avons fait une priorité dans le Mitouka Oyo. Nous avons fait une priorité dans le Mitouka Oyo. Nous avons fait donc, si nous avons fait une priorité dans le Mitouka Oyo, c'est une normale. Biso, nous avons fait une priorité. Mais au moins, la circulation est rétablie. Je continue, mais ça là, parce que bon, moi, je suis en train de faire des zones. Mais la circulation est rétablie. Donc, on a dit que la population,
après c'est vraiment un message pour espoir. Mon conseil ministre de la République, c'est à Outiawa. Alors, on a dit que le Bakalaming était Makambo et Komba Lissolo, tu as déjà solution.